Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4 les gars. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire le chapitre 4 de Ada. Donc c'est parti, on va charger les données. Tais-toi, on s'en bat les steaks de ta vie. Donc on va charger les données les gars. C'est parti, chapitre 4, qu'est-ce que ça donne? Donc du coup, moi, je vais vous laisser sur la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite, allez c'est parti. What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Génial! Alors, on va assassiner Léon. D'accord, ok. Bon, on va assassiner Léon, c'est parti. Le mec, il sait pas lire, tu sais. Non, mais... Voilà, c'est parti, les gars. On va empêcher l'assassinat de Monsieur Léon. Donc, au final, on va peut-être pas tuer Krauser dans cette, dans ce chapitre. Je pense pas. En attendant... Bon, allez, on récupère ça. On a le pognon, tu vois. On en profite. Donc, ça, on n'y achète pas. Ok, ok. Donc, ça, on y garde. Oh, 88. Oh, mais j'ai autant de balles de pistolet que de balles de fusil à pompe, quoi. Enfin, c'est plutôt l'inverse que j'aurais dû dire. Mais bon. En attendant, fusil, ouais. Bon, fusil, je m'en fous, du coup. Hein. Je pourrais y vendre, mais je sais pas. Au cas où, je préfère y garder. En attendant, on a le black tile. On a le fusil à pompe. Ouais, non, enfin, on s'en fout. Ouais, prêt. Ah, spinel. Attends deux secondes, gros. Oh. Le temps que je vende, s'il te plaît. Voilà, hop, on vend ça et puis c'est tout, quoi. Ok, bon, bah c'est génial. En attendant, on n'a pas grand-chose. On va récupérer ça. Bon, bah jusque-là, tout va bien. Donc, du coup, on va partir à la recherche de nos mecs. Calmez-vous, les gars, oh. Ah, attends, attends, c'est la merde. Oh là là, en plus avec l'autre qui nous fait chier derrière. Ah non, c'est bon. Attends, attends, Tug. Tug. Oui, Tug. Oh, les gars, les gars, les gars. Mais, oh, mais c'est un bonheur total, là. Non, mais attendez, mais c'est magnifique, ça. Attends, juste, on va faire gaffe, quand même, parce que, bon, on n'est pas non plus des Tug dans l'âme. Donc, on n'a pas l'habitude de faire des trucs comme ça, donc on va se calmer un petit peu, quand même. Ok, sympathique, sympathique. Ah, si on pouvait juste... Nickel! Eh, mais regardez ça un peu, mais on commence trop bien! Oh là là là, regardez-moi ça un peu. Franchement là, vous pouvez pas dire le contraire. On commence... Oh putain! Calme-toi gros. Calme-toi. On commence bien, tu vas pas tout gâcher. Hein. Regarde, moi je te défonce la gueule. Moi je suis comme ça, tu vois, moi je suis une thug. Moi. Une thug dans l'âme, comme on dit. Voilà. Viens, je te coupe les couilles, moi. Bon, malheureusement, non, mais bon. Prochaine fois, ce sera ça, quoi. Voilà, calme-toi. Boum! Allez! KO, le petit! Oh, putain! Eh, franchement, les gars. On commence. Trop bien. Non, juste que... Bah, je sais que là, il n'y a rien. Mais, enfin, bon. J'ai bien envie d'y aller, histoire de... De récupérer le peu qu'il y a. Voilà, nickel. Putain, dit. Il faut être concentré dans le jeu parce que sinon,
tu peux vite perdre la main. Faut avoir des bonnes piles aussi. Parce que si t'as des piles de merde, forcément tu perds la main aussi. Allez, stoppé, tue-le. Oui. Nickel. Franchement, les gars, là. Putain, en plus, on récupère des balles de pistolet et tout. Ce qu'on va faire, on va monter là-haut. On va récupérer le peu qu'il y a. Et puis, bah, c'est tout. Ah là là. Bon. Ouais, on a pris. Attends. Non, tu vas pas dire qu'on peut pas descendre quand même, putain. C'est complètement con, hein. Imagine bien que c'est complètement con. Parce que c'est un peu chiant, voilà. Donc ok, voilà, donc ouais, tu fais ton animation à la con, ça met 2 ans, t'es content, nanana. Ok, voilà, donc là on récupère encore des balles de sniper, mais on a que ça, quoi. Mais nous on est des ouf, quoi. Bon, en attendant. Et bon, on va leur péter la gueule. Oh, mais j'ai pas hésité une seule seconde, quoi. Hein. J'ai vu ça, mon gars. J'ai fait, bon, allez, c'est parti. Suffit de tirer un petit coup et c'est bon, on se fait plaisir. En attendant, moi j'ai bien envie d'utiliser mon grappin, s'il vous plaît. Non, pas maintenant. Bon, bah j'utiliserai tout à l'heure alors. Donc là, on fait gaffe parce qu'il y a masse d'ennemis. Voilà, par exemple, il y a lui. Non, ferme ta gueule. Je peux enculer. Viens ici. Quoi? Putain, dommage. Ferme ta gueule. Boum. Ça fait mal là. C'est qui le thug maintenant? Bah c'est Bibi. Allez, bim. C'est encore qui le thug? Et bah c'est Bibi. Voilà, et allez, c'est encore qui le thug? Bah c'est Bibi. Bon, par contre, vous êtes vraiment beaucoup là, c'est chiant. Oh putain. Non, tape. Mais non. Mais non, mais putain, t'es vraiment une connasse, quoi. Tu peux pas taper là? Shuriken, je sais pas, moi, tu fous des coups de latte et tout. Tac, tum, pam, pim, pam, pim, pam, pam. Je sais pas, quoi. Dommage. Et ferme ta gueule. Putain, du coup, t'as raté mon truc. Oh, espèce d'enfoiré, va. T'aurais pas pu taper à la place de l'autre, là. Ah ouais, mais du coup, il a raté mon truc. Enfin, ça a tout fait rater, là. Il a tout fait capoter. Espèce d'enfoiré, va. Putain, tu vas encore tout faire pas capoter, mon gars. Eh, tu fais tout capoter, je te défonce. Putain. Casse-toi, gros. Boum. Allez, hop. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non, mais moi, je suis trop intelligent, tu vois. C'est intelligence qui paye dans le jeu. Eh, eh. Ferme ta gueule. J'adore faire ça, quoi. Le mec se relève, tu vois, parce que le mec, tu vois, il en veut, tu vois, il veut absolument réussir, donc le mec se relève. Donc très simplement, on le défonce, et on le défonce, voilà. Donc pas besoin de se faire chier bien longtemps. Voilà, tranquillou, pepperoni, et ça fait plaisir, tout simplement. Voilà, donc du coup, c'est parti, les gars, on ouvre la porte, un coup de pied, voilà, donc hop. On casse ça. Oh bah tiens, tu vois, j'avais pas vu. Donc on casse ça pour avoir une plante, ça fait plaisir. Voilà, donc là on va défoncer un mec qui est je ne sais où. Oh, tiens, on va défoncer lui avant. Attends, voilà, viens ici. Voilà, ah, vas-y, viens mon gars. Et je te défonce la gueule. Bien comme il faut. Eh, n'empêche les portes. C'est pratique dans le jeu. Hein. Heureusement qu'il y en a un. Allez, casse-toi. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah là tu vas rien faire, mon gars. Quand t'es comme ça, t'es comme une merde. Bah là, tu peux rien faire. Voilà, ça fait plaisir. Bon, en attendant, toi là-haut là. Putain, heureusement que... Ah, il dit, il va jamais mourir hein. Bon allez les gars, on est chaud patate, on court. La 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 la, je trouve la 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 la, je trouve la 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 la. Oh non, pas la manette, arrête tes conneries. Putain. Merci. Hop, si tu pouvais sauter. Ah mais non, mais tu sautes là. C'est complètement con. Oh dis, moi je pensais que tu sautais là-bas, quoi. Ah, je te jure, des fois. Hein. Hop, 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 calme-toi, mon gars. Voilà, sympathique. Hop, 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 hop. Mais genre. Mais genre. Mais one shot et tout, le mec et... Putain, mais t'es sérieux?
vas-y, ce jeu commence vraiment à me péter les couilles. Ouais, c'est parti les gars, cette fois-ci, on a un peu mieux réussi. Bon, c'est pas non plus fameux, hein. Mais ça va, on n'a pas utilisé beaucoup de vie, enfin pas énormément. Et cette fois-ci, mon gars, je prends le fusil à pompe, mon petit. Ah bah non, pas besoin. Bon, pas très grave. Allez hop. Bon, en tout cas, je défonce cette fois-ci, je défonce. Vas-y, relève-toi, mon gars. Boum. Hop là. Là, on fait moins le malin, là, maintenant. Espèce d'enfoiré. Putain. Eh, j'ai dû retour recommencer. Hein. Ah ouais, non, mais attends, un truc de malade, quoi. Oh, tout recommencer et tout, ouais, franchement, laisse tomber, quoi. Bon. Donc du coup voilà, vous voyez à peu près, j'ai utilisé une balle de fusil à pompe parce qu'il y avait une tête, tu sais les têtes cheloues, enfin comme je t'ai dit tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci j'ai été de hauteur et ça l'a one shot quoi. Donc bon, tant mieux. Ouais putain, ferme ta gueule toi. Merci beaucoup. Putain mais il y a vraiment des pièges de partout dans le jeu. Hein. J'ai cru que la porte était en train de s'ouvrir, tu sais. Ouh ok, c'est bon. Bon alors juste pour une plante tu vas me dire... Attends, une plante jaune ? Non. Mais c'est génial. Bon, bien sûr, je rigolais. Hein. Quand je dis juste pour une plante, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, voilà, tout ce qui est là. En attendant, ça fait plaisir. Les carreaux aussi. Voilà. Alors juste, je vais aller défoncer l'autre connard parce que, bon, c'est pas qu'il me saoule. Enfin, mais un petit peu quand même. Il n'y a rien là-bas. Non, c'est bon. Si, il y a fusil à pompe. Non, putain, je pensais qu'il y avait fusil à pompe comme un con. Allez, boum, je plante ou pas, non? Putain, après tu plantes pas. Je sais pas pourquoi méchant qui va me taper. Génial. Espèce d'enfoiré. Si c'est ça. Si c'est le seul moyen de te tuer au couteau, dans ce cas je veux bien. Ouais, tu vois, on prend un peu de dégâts, mais en attendant derrière on le défonce. Comme c'est pas permis. Boum, allez hop. Le mec, couché. Couché le petit, hein? Allez, rendors-toi. Va faire un sommeil, je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais... Putain, j'aime pas cet endroit, oh là là. C'est le pire endroit de ce mode de jeu, les gars. C'est une difficulté, mais énormissime, et c'est long. Donc je pense que je vais skipper un peu au niveau de du couteau, hein. Ouais, parce que ici c'est la merde. Ah, je peux vous le dire, c'est extrêmement chiant. C'est... Il y a toujours des endroits chiants comme ça. Et bah ça, ça fait partie. En attendant, là, on va prendre le fusil à pompe. Parce que sinon, on va pas y arriver. Hein. Ah ouais, je vous le dis direct. Oh putain. Ah ouais, non, mais là, par contre... Oh, mais deux secondes, j'ai même pas le temps de... Mais t'es sérieux, quoi. Ouais, là, c'est déjà mieux. Hop, je les ai défoncés. En espérant... Attendez, attendez. Prendre le pistolet. Le problème, c'est que du coup, je sais pas quoi faire. Bon, on court, les gars, on court. Ok, ok, ok. On court à l'aveugle. Putain. Eh, sans la grenade là, dès le début, je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Allez, tire. Ah ouais, ouais. Là, c'est fini. Ok, on y va. On fait petit à petit les gars, parce que franchement... Allez, on retire. Ok, c'est fini. Allez, c'est parti. Hop, on prend un pistolet. On attend. Ok, calme-toi, calme-toi. Allez, c'est parti. On court, on court. Allez, allez, tu peux y arriver. Oui, vas-y, mets-le. C'est le bleu, normalement, c'est bon, ça passe. Ok, ça passe. Allez, on défonce. On les défonce. Nya, je sais pas comment on fait. Ah, c'est X. X. Tiens. Espèce d'enfoiré, tiens. Ah merde. Ah, pas trop vite. Attends, attends. D'abord, on les défonce un peu aussi. Ah bah ouais, attends, on profite quoi. On peut les défoncer, on les défonce, mon pays. Et il est pas mort encore. Putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru que. Que j'allais me faire défoncer ou je sais pas quoi, tu sais. C'était un peu chelou quoi. Bon, en attendant, on se barre d'ici parce qu'on est dans la merde. Attendez, juste comme ça. Ouais, non, y'a rien.
Vas-y, on monte là-haut, les gars. Alors, franchement, je sais vraiment plus trop comment ça se passe. Quels sont les pièges à éviter, tout ça. Tu me poses une colle. Tu me poses une putain de colle. Bon, attendons-moi vite, vite. Je récupère ce qu'il y a là. Hop. Je pense que le mieux, c'est de monter là-haut. Voilà. Jusque là, tout va bien. Ok, ok, voilà. Donc, putain, je suis vraiment grave concentré là. C'est chaud patate. Oh, mais dis donc. Pff, je m'en fous un peu des balles sniper, hein, mais c'est pas très grave. Putain, j'ai tellement de balles de fusil à pompe, mon gars. Mais vas-y, tu vas me casser les couilles combien de temps encore avec mes plantes là, putain. Putain, trop de plantes, les gars. Trop de plantes. Merde. Putain, d'accord, il faut que je redescende en bas. Bon. Donc, on va essayer. D'y aller sans trop perdre de vie. Hein, si possible. Ça pourrait être génial. Voilà, monte, merci. Voilà, hop. Donc, je sais pas où il est l'autre connard. Bon, jusque là il a pas l'air de vouloir me toucher. Ok, on court, on court. Descends, descends, merci. Voilà, je sais pas où on va, on se casse, on... on se casse. Attends, attends, merci beaucoup. Voilà. Bon, non. Voilà, juste comme ça, on peut le taper. Merci beaucoup. Juste si l'autre, il peut éviter de nous toucher. Ce serait magnifique. Ah ouais, alors juste comme ça, j'ai pas trop envie de me faire niquer. Hop là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est qui m'a touché? Et vas-y, mais ils sont vraiment de partout, ces PD. Hein. Toi, mon gars, tu vois ce que je te fais? Bah, je te fais ça, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Espèce d'enfoiré, bah. Putain, encore? Bon, bah. Combine-la avec elle et tu l'utilises. Ça me libérera de la place. Attends, juste comme ça, on va utiliser le pistolet. Quoique. Oh, mais vas-y, mais t'es sérieux? Oh là là! Allez, allez, défonce-le. Merci beaucoup. Bon, en attendant, moi, je suis un peu dans la merde parce que l'autre, il me fait chier. Ah, il faut que je monte là, ok. Bon, bah, nickel. Hop, on monte là. Voilà. Donc, maintenant, on va... franchement, là, les gars, je ne sais pas quoi faire, étant donné qu'il y a des pauvres connards qui me tirent dessus en fléchette. Putain, dommage. Ah, quoique. Putain, il a failli me toucher l'autre là. Casse-toi. Oh là 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 là. Mais c'est un grand malade le mec. Hein. Attendez, attendez. Lui, on va le défoncer. L'autre aussi, on va le défoncer. Chaque chose en son temps. Ok, heureusement qu'il est à moitié con. Allez hop, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Putain, ces enfoirés alors. Hein. Oh oh. Putain, et franchement, à chaque fois, je prends des risques de ouf et tout. C'est à chaque fois, c'est genre limite si le mec il me touche quoi. Putain, un truc de fou quoi. Allez, meurs. Meurs, Satan, meurs. Merci beaucoup. Alors, par contre, dès que je vais monter en haut, ça va activer un piège. Enfin, ça va activer, ça va. Les autres en face. Vont tout simplement s'activer et vont essayer de me défoncer. Donc, oh putain, non, ça par contre, ça non. Voilà, je, les gars, franchement, j'ai pas envie de prendre de risque. Oh, t'es sérieux là? Putain. Alors, toi par contre, je te défonce, mon gars. Ah merde, ça par contre, c'est pas prévu. Ça par contre, c'était pas prévu. Ok, sympathique. Heureusement que t'es con. Oh putain, je suis dans la merde, les gars. Je suis dans la merde. Didi, didi. On récupère la plante rouge. On prend le lance-grappin. Je sais pas ce qu'on fait là. Voilà, on se barre, les gars. On se barre. On récupère ça quand même au passage. Très important. Voilà, je sais pas ce qu'on fait. On fait le lance-grappin. On est des thug life. Voilà quoi. On est comme ça, nous. Oh putain, fais gaffe, fais gaffe.
Ouais, quoique c'est pas si chiant que ça finalement. Je pensais plus crever que ça. Moi j'avais des mauvais souvenirs de cet endroit. Bon, bah là ça s'est bien passé, heureusement d'ailleurs. Donc on va faire feu. Attends, 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 2 secondes. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire, gros? C'est tout? Ah non, d'accord. J'ai cru que c'était tout, quoi. Je me dis, merde, j'ai fait un tir, c'est bon, quoi, c'est fini. Bon, ouais, si tu pouvais un maximum défoncer le monsieur là. Le monsieur là aussi. Défoncer lui là, pourquoi pas. Lui aussi là. Et vas-y, défonce-les. Toi aussi, là, si tu pouvais. Voilà, défoncer, toi aussi. Il y en a encore une? Non, c'est bon. Bon, on va sauter du coup. On est obligé de se retaper tout le bordel. Tout ça parce que madame fait chier. Non, mais ouais, ça fait chier quoi. Ça fait chier de tout refaire. Mais bon, qu'est-ce que je te dis. En attendant, on va faire gaffe quand même parce que il va y avoir plus d'ennemis d'un coup. Hein, voilà. C'est bien ce qui me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis avant. Voilà, donc là. Voilà quoi. On va peut-être skipper un peu les ennemis. Bon. Alors juste comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non mais non, il n'y a rien. Bon. Alors vous déjà. Vous ne cassez pas les steaks. Merci. Voilà. On va juste faire gaffe derrière nous parce que je sens qu'il y en a un. Je sais pas pourquoi. Ouais, tu vois, il me semblait bien qu'il y en avait derrière. Il me semblait bien. Juste comme ça, il y a quelque chose. Des balles, non. T'en bats les steaks. Bon. Moi, je me casse, hein, personnellement. Voilà, sinon après ça va être trop dur les gars. Hop 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 hop. Calme-toi. Hop hop hop. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant hein? Moi je suis une thug moi. Pim. Mais non, ça a rien fait quoi. Tiens. Dans ta gueule. Toi t'as le démon. Allez! Il est où le mec? Le mec il est là quoi! Je sais plus quoi faire! Enfin bon, c'est pas très grave, moi je me casse les gars parce que sinon on va pas avoir le temps. On va pas avoir le temps, on va pas avoir le temps. Bon, toi tu fermes ta gueule, merci. Pas se faire chier bien longtemps, hein. On lui pète la truc à la gueule. Bon bah voilà, là c'est fini, hein. Tranquille, voilà. Donc ça va, on a plutôt bien joué, je pense. Donc là, ça va être la fin du chapitre. Après, on aura le chapitre 5, tout simplement. Et dans le chapitre 5, on va tuer Krauser et on va finir le jeu. Hein, tout simplement. Enfin, le jeu. Entre guillemets, quoi. Le jeu bonus. Bah, attendez. Juste comme ça. On va prendre notre petit fusil à pompe. On va recharger. Et tout simplement, on va prendre nos balles. Voilà. Putain, mais... Oh là là, dis, vous me cassez les steaks, vous, hein. Voilà, vous êtes content. Mais non, mais casse-moi pas les 1. Bon. Ok, si t'es content, voilà. Il est content. Ah, il est content. Ah, non, il a refait sa vie, le mec. Il est content. Bon. Mais non, mais. Tire pas, recharge. Voilà. Là, il y a quoi dedans? Des flèches, encore des flèches, dis donc. Mais. Il y a des flèches de partout. C'est bon, jusque-là, tout va bien. Bon, c'est génial. Voilà, bah voilà. Voilà, donc on a terminé le game quand même, ça fait plaisir. Donc là, c'est un endroit qu'on n'a jamais vu avec Léon. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Voilà, voilà. Donc du coup, on va voir ce qu'il y a de nouveau. Rien du tout, comme d'habitude. Munitions, machin. Alors les carreaux directs, ça dégage. L'herbe rouge, non. Ça, non. Ça, oui. Ça, bah carrément. Quoique, il y a peut-être des trucs à mettre dessus. Ouais. Alors juste comme ça, je vais jeter un oeil quand même, parce que j'ai acheté une carte, c'est pas pour rien. Et ça se trouve, j'ai oublié 2-3 trucs. Ouais, on peut pas vraiment voir, donc... voilà quoi. Bon, en attendant. On passe la porte. Oh non, les gars, vous êtes sérieux? Ah, je pensais que c'était la fin du chapitre, moi. Oh non, pas cette partie, j'avais complètement oublié. Putain, trop de parties à faire, quoi. Vas-y, viens, attends, je te défonce. C'est quoi ce vieux truc là? Bon, tu me saoules. Putain, eh, cette partie elle est chiante aussi. Oh, eh, franchement, il y a des parties, mais c'est chiant. Oh là là. Enfin,
franchement. Plus deux parties d'affilée. deux parties d'affilée qui sont bien chiantes. Fais gaffe, toi. Voilà, nous, on est des thugs, on est comme ça. Tu fermes ta gueule, merci. Bon. C'est bon? Putain, l'autre, là. Il va nous faire chier, c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis, il va nous faire chier. Et nous, on est des fous. Alors, toi, t'as fait de la merde, mon gars. Enfin, j'ai pas compris, quoi. Je t'ai dit que tu pouvais me toucher comme ça. Putain, tu sais que t'as failli me toucher, toi. Voilà, je préfère ça. Et franchement, c'est chaud patate des fois. Hein. Il y a des fois, on risque la mort quand même. Hein. Enfin, on frôle la mort. D'accord, ok, oui, voilà. Donc on descend, voilà. On regarde à droite parce que je... Ah bah non, il n'y a rien. Ok. Jusque là, tout va bien. On prend le fusil à pompe. Hop, 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 attends, attends, attends. Il y a un pauvre connard là-bas à la fléchette. Il y en a deux pauvres connards là-bas à la fléchette. Voilà, nickel. Putain, moi j'aurais des fléchettes, ça serait des fléchettes explosives, moi. Ce serait pas de la merde comme les autres. Ah mais non, il y en a pas deux, d'accord. C'est juste qu'il s'est déplacé, d'accord. Je pensais du coup qu'il y en avait deux, tu sais, mais non, pas du tout. Ouais, si tu peux éviter de me faire chier comme ça, merci. Merde, putain, du coup je fais n'importe quoi. Eh bah t'es groggy, je m'en bats. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? Ouais, franchement, il y a des fois, je suis obligé de me concentrer, les gars. Oh putain. Oh putain, j'aime pas ça. Bon, c'est quoi? On va pas se faire chier bien longtemps. Hein. Ah ouais, non, mais c'est pas possible de faire ça au couteau ou quoi que ce soit. Voilà, casse-toi. Merci beaucoup. Bon, du coup, reprenons un petit peu des rennes. Bah, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, juste qu'on est dans la merde, parce que derrière, il y a pas mal de monde. Qu'on va exploser immédiatement. Mais putain, casse-toi, le mec, il se met en plein devant, quoi. Et franchement, vous allez me saouler. Putain, et c'est ce bouffonne de salope de merde qui avance pas. Putain! Ouais, c'est parti cette fois-ci. On les défonce. Bon, j'espère. Mais putain, tu vas tirer dessus, oui. Oh, c'est hallucinant ça, hein. Non, c'est bon, elle m'a saoulé. Normal, elle m'a saoulé, moi je me casse. Bah ouais, non, mais attends. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Hop là. Hop, vas-y, on court, on court, on court, Maurice. Oui, c'est magnifique. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, les gars. On continue, on est chaud patate. On a esquivé quelques zombies, ça arrive. Voilà, c'est comme ça. En attendant, on va reprendre de la vie. On va prendre ça, voilà, histoire de pas gaspiller. On va prendre ça, pourquoi pas. Ok, oui. Tout à fait. Bon, on va profiter qu'ils nous mettent un bon petit tonneau. Ta gueule. Ta gueule. Eh mais Dim, y'a tout le monde qui vient sauf lui, quoi. Ah ouais, non mais bon. Boum. Salut. Allez. Ciao. Bonnes vacances. Bonne nuit. Voilà. Ah ouais, non, je suis sympathique, moi, je suis sympathique. Bon, oh ouais, attends, on profite, hein. Des fois, il y a des petits trucs comme ça. Faut profiter, les gars. Ah ouais. C'est pas parce qu'on doit jouer au couteau qu'on peut pas profiter de bons trucs comme ça. Alors, juste comme ça. Boum. Je te défonce. Je sais pas, j'avais envie. Je sais pas pourquoi. Boum. Tu redéfonces. Ah ouais, non, mais par contre, je rigole, là. Je rigolais, hein. Merci. Non, mais... Allez, ferme-moi cette porte, là. Et si ça passe à travers moi? Ça passe à travers. Oh, mais t'es sérieux? Oh, mais vous imaginez quand même que la flèche. Enfin, le mec arrive à tirer à travers le petit truc là, un grillage là. Oh là là. Putain, heureusement que ça traverse pas ça au moins. Hein. Putain, c'est bien la seule chose que ça traverse pas. Hein. Bon. En attendant, hop. On prend ça. Ok. Je sais pas si on tue celui de là-haut là. Je sais pas s'il va être chiant après. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de le tuer. Alors juste, y'a quelqu'un là ou pas?
Non, c'est bon. Et vas-y, tu vas me saouler, mon gars. Putain, mais je te vois pas, quoi. Putain, et le mec, je le voyais même pas, tu sais. Bah voilà. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on se fait chier. Le mec, on l'a défoncé en 2 secondes chrono. Ah, mais magnifique, on a une plante jaune. Oh là là, mais bah, c'est nickel. Mais tout se passe bien. Eh oui, non, mais attends. Nous, on est comme ça, nous. Avec nous, tout se passe bien, mon petit. Bon. Par contre, toi, je t'avouerai que tu nous saoules un peu, hein, avec ton putain de bouclier. Genre le bouclier qui se détruit pas, quoi. Oh, mais t'es sérieux, mais... Eh, hey, je m'appelle pas non plus Jean-Paul, moi. Hein. Pourquoi ça, je sais pas. Ok, voilà, donc ça, déjà, ce sera mieux. Putain, eh, ça va être compliqué. Hein. Attends. On va être obligé de faire ça, parce que... Sinon, ça va être un peu trop compliqué. Ok, vas-y. Tue-le. Ok, vite, cours. Merde, merde, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, j'y vais, y'a pas de soucis, t'sais. Moi, je suis comme ça, moi, t'sais, y'a pas de soucis. Je risque de mourir, mais j'y vais, non, y'a pas de soucis. Combien de fois j'ai dit y'a pas de soucis, hein, on se demande, hein. Alors, juste comme ça. Je pense quand même. Hop, 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 hop. Calme-toi, gros. C'est grand malade. Et tu sais que t'as fait me toucher. Ces enfoirés, là. Oh, ils sont méchants avec moi. Eh, non, mais t'as vu comme ils sont méchants un peu. Même pas de respect, rien. Méchanceté totale et tout. En attendant, je pense qu'au niveau couteau, quand même, je suis plutôt bon. Hein. Ok, va te faire foutre. Je pense que je suis plutôt bon au niveau couteau, donc ça passe. Donc voilà, je pense pas que je fais de la merde ou quoi que ce soit. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Alors franchement, on a toujours pas fini le chapitre et ça commence à devenir un peu long, voire bizarre. Non, mais ça commence à foutre les chocottes là. Hein. Parce que je sais plus où on en est là. Ah oui, voilà, donc c'est bon, on finit le chapitre. Là, c'est sûr, je vous assure, on finit le chapitre. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Je l'ai vu, ça brille. Il y a quelque chose. Ok, nickel. Donc du coup... Hop, 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 hop. Toi, par contre, là, t'es pas prévu. T'es pas prévu dans mon programme, mon petit. Je suis dans la merde. Ah ouais, quand même. Franchement, je sais pas quoi faire, les gars. Alors juste... On va regarder la carte. Ok, d'accord. Ok, donc c'est bon. J'ai pas loupé de truc. Enfin, je crois. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Casse-toi. Merci beaucoup. Voilà, nickel. Bon, du coup. Putain. Allez hop, casse-toi. Voilà, ça c'est bon ça. Alors juste que ouais, tu risques de me niquer si tu me fais trop chier. Attends, attends, attends. Nickel, nickel. Ouais, franchement, on est bien là, les gars. Là, on est bien, on se fait plaisir. Alors juste comme ça. Yes, yes. Putain, ça fait plaisir. C'est bon? Ok, nickel. Bon, du coup, alors en fait, tout simplement, on va... Donc, si vous vous souvenez bien, si vous avez fait la campagne solo... D'accord, ok. Il y a... tout de suite après, là, on est sur le... Au moment où on bat Krauser. Vous savez, au moment où Léon bat Krauser. Et ben, on arrive tout de suite là-bas. Et en gros, bah après, c'est fini, quoi. Tout simplement. Du coup, moi, j'attends l'autre. J'attends l'autre, mais il est pas là. Qu'est-ce que tu fais, mon petit? Ok, d'accord. Voilà. Ouais, donc c'est bon, tu peux... Ouais. Tape un coup, merci. Je tape un coup aussi. Je t'ai dit, hein, chacun son tour. Hein. Tu commences en premier, puis moi, je tape derrière. Après, il y a des fois, c'est moi qui tape, puis toi, tu tapes derrière. Bon, ça fait un peu chier quand c'est comme ça. Juste, on va faire gaffe, parce que je sens qu'il y a des mecs à la fléchette. À la flèche. À l'arbalète. Pourquoi, mais je sens qu'il y a des mecs à l'arbalète. Bon, ils ont pas l'air d'être là. Ils sont peut-être morts. Il y a quelqu'un? Bah, il y a personne, tu vois. Donc, on est plutôt bien là. On est à l'aise. Personne ici. Oh, franchement, ça fait plaisir. C'est pas souvent qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. Donc là, il y a personne aussi. Mais oh, mais Léon est passé par ici, voyons. Ah, quelle blague de merde, non. En attendant. Oula, calme-toi.
Tu vas vite te calmer, mon petit gars, parce que moi je fais pas dans le petit modèle, moi. Hein. Moi, quand je défonce la gueule, moi, c'est... Eh, t'as esquivé. Ah, mais t'as encore esquivé. Eh, tu esquives deux fois d'affilée, ça va pas le faire, ça. Hein. Toi, je vais te cuter, mon gars. Mais comme c'est pas permis, hein, je vais te cuter jusqu'au sang. Non, mais attends. Allez, hop là, un coup dans ta gueule, encore une fois, mon petit. Tu mérites que ça, de toute façon. Et hop là, voilà, ça, c'est nickel. Bon, en attendant, on va finir le chapitre. Tranquillou. Pepperoni, puis après il y aura le dernier chapitre à faire, les gars. Jusque là, bon, on est un peu dans la merde. Franchement, vous avez déjà vu autant de fusils à pompe, enfin de balles de fusil à pompe? Putain, combien il y en a quoi? Il doit y avoir une centaine et tout, tu sais. Putain, hallucinant. Hallucinant. Fais voir combien il y en a. Donc il y en a 30, 60, 90, plus 30, 120, plus 12, 100, 32. 132, donc c'est 132 balles plus les 5 qui sont dans le chargeur, ça fait 137, hein, voilà. 137 balles, les gars, franchement, ça fait plaisir. Alors, juste comme ça, on n'a pas le dernier. Je crois qu'on a loupé un truc. Ah ouais, d'accord, donc c'était derrière. Wow, bah je m'en bats les steaks, hein, franchement, j'ai envie de vous dire. On a déjà pas mal de pognon qui nous sert strictement à rien, du coup, hein. Voilà, donc moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à tout de suite. In the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Et voilà les gars, on a fini le chapitre et ça fait plaisir. Voilà donc, ennemi tué 72 quand même, c'est plutôt pas mal, ce qui nous met sur 250, le nombre maximum de balles qu'on peut mettre dans le chargeur du TMP. Voilà, non mais ça c'est dit, au moins c'est fait, voilà. On a 25 morts, x 10, ça fait 250 ennemis tués. Franchement, on a un ratio de... de 10, tout simplement. Ça fait plaisir. Voilà, donc du coup, on va mettre fin au chapitre, voilà. Et donc moi, je vous laisse avec ça. À tout de suite. Leon S. Kennedy, perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius. He has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent is toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here, though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Ok, tout à fait. Voilà, donc on a fini le quatrième
rapport, donc quatrième chapitre. Et la prochaine fois, on fera le chapitre 5, les gars. Ça va être chaud patate, c'est moi qui vous le dis. On va battre Krauser, on va battre le boss final. Non, en fait, on va même pas le battre. On va pas le battre, le boss final, c'est pas nous, c'est Léon qui va le battre. Mais on va l'aider à le battre. C'est déjà bien, hein, voilà. Donc, voilà, on sauvegarde, tranquille. Et après, voilà, chapitre 5, nickel. Alors, juste comme ça, vous voyez, dans le dernier chapitre avec Léon, quand on tue le boss final, il y a un bout d'un moment où Ada nous donne un lance-roquette. Et ben, ce lance-roquette-là, si tu le gardes et que la fois d'après, tu l'utilises à la fin du chapitre, dès le début, et ben, Ada ne vient pas et ne t'envoie pas le lance-roquette. Et ça, c'est fort, quand même. Donc, c'est-à-dire, tu niques un peu tu niques le game, quoi. Hein. Ça veut dire qu'en vrai, Ada n'a même pas le temps de venir, que t'as déjà niqué le mec et tout. Enfin, bon. Du coup, ça nique un peu le scénario de cet endroit-là. Bon. Ouais, je dis de la merde, mais enfin, c'est vrai, hein, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout. Bon, en attendant, je vais vous laisser là-dessus, hein. En espérant que le quatrième chapitre vous aura satisfait. Voilà. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. Et puis voilà. Ok, d'accord, ça fait tout seul. Ouais, donc la prochaine fois, on ira là, hein, tranquillou. Ouais, donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Allez, ciao tout le monde. Ciao.